Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Beyond Two Souls avec l'épisode 13 et nous en sommes à séance de nuit. On retourne donc dans le passé quand nous étions enfants juste après l'expérience. Alors c'est un petit peu le bordel hein, bien évidemment, on fait pas les séquences dans l'ordre. Mais c'est tel que l'a décidé David Cage, hein, le créateur de Quantic Dream, enfin le studio Quantic Dream. C'est comme ça que l'histoire originale doit être racontée dans ce désordre et non dans l'ordre chronologique. Voilà pourquoi j'ai choisi l'histoire originale et non la remixée qui est dans l'ordre chronologique justement. Donc si vous êtes un peu perdu, c'est normal, mais ça doit être pour le spectacle, je suppose. Allez, on est parti, donc je vais me lever. C'est juste après l'expérience, alors quand ils parlent de l'expérience, je suppose que c'est dans le moment où ils avaient mis un casque sur ma tête. On remonte à quelques épisodes hein, déjà de cette aventure. Et on avait déplacé les objets avec une dame de l'autre côté. On devait deviner les cartes, souvenez-vous. Je pense fatigué. Ok, j'ai le droit de dire que je suis fatigué. Et je peux parler à lui? Non, d'accord. Je n'ai pas trop le choix. Mais attends, je suis trop fatigué. On peut s'en aller maintenant. Oh bon sang, il est déjà aussi tard que ça. Je suis désolé, j'étais complètement plongé dans mon travail. Je sais que tu as eu une longue journée. Dis, ce matin, je t'ai acheté un livre. Est-ce que ça te ferait plaisir que je te le lise avant de dormir? Ah oui. Je pense que je l'ai laissé dans l'autre pièce. Pourquoi tu n'irais pas le récupérer? Je finis ce que j'ai à faire et ensuite on y va. D'accord? D'accord, je vais le chercher. Brave petite. Ok, donc je peux déjà... Non, je peux prendre Aiden. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est sûrement... Je peux l'envoyer valdinguer, mais on va pas le faire. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... D'accord, c'est pour prendre possession de la télé. D'accord, ça servait à pas grand-chose. Peut-être quand j'étais devant. Ok, donc avec Aiden, je peux montrer que j'en ai marre. Pas très intéressant, on va voir ce qu'il y a. De l'autre côté, c'est un immense couloir. Donc mon appartement doit pas être très bien... doit pas être très loin, pardon. Ah, voilà, c'est ça que je recherchais. Les bonus qui sont... Putain, ils sont de l'autre côté, fais chier. Attendez, je n'arrive pas. Que se passe-t-il? Ok, c'est bon. On va récupérer un bonus. Et les gars, c'est déjà ça. Après, on cherche pas à terminer le jeu à 100%. Mais c'est toujours cool. Et c'est toujours ça de prix. C'est parti, on va pouvoir y aller. Il fait bien sombre là-dedans. Aiden va encore me faire un petit coup de Trafalgar. Donc on va allumer la lumière. Où est-ce qu'il est ce livre? D'accord, je recherche donc un livre de type... Arrête Aiden, c'est pas marrant. Lecture. Aiden est farceur, hein, souvenez-vous. Il a toujours été farceur hein, quand on était jeune. Donc je suppose qu'il est tout aussi jeune que moi. Ok, un livre, on l'a le livre. Aiden? C'est peut-être pas Aiden, hein. C'est toi qui fais ça, Aiden? Mais non, mais c'est peut-être pas Aiden, en fait, hein. C'est peut-être... Non, mais il y a personne d'autre. Là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un reflet sur le tableau, très bien. Ok, c'est peut-être pas Aiden, hein. Moi, je pense pas que ce soit... On va voir. On verra, de toute façon, ça va partir en couille très très vite. Je vais prendre ce que je mérite. Il va encore me faire 2-3 coups de Trafalgar. Il reste 4 mètres avant la porte. Ça serait dommage qu'Aiden s'arrête en si bon chemin. Ah! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces deux femmes amochées? C'est incroyable! Tu l'as trouvé. On va pouvoir passer aux choses sérieuses et lire une histoire avant d'aller dormir. Jeudi, tout va bien? Tu es toute pâle. Elle est tout simplement fatiguée, la pauvre petite. Peut-être qu'il serait temps de la mettre au lit. Oui? C'est très étrange. Oui, un instant. Nathan, c'est pour toi. Nathan Dawkins.
Nathan ? Nathan, qu'est-ce qui se passe ? Ma femme. Elle revenait de chez ma mère avec ma fille. Un camion. Le chauffeur était ivre et du mauvais côté de la route. Elles sont mortes. Jody, c'est l'heure d'aller dormir. Reste ici, Nathan. Je reviens tout de suite. On y va, Jody ? D'accord, donc en fait, on avait vu sa femme et sa fille juste après la mort. Forcément, je peux voir les morts. Donc la mission, c'est juste après le dîner. Là, on retourne juste après le dîner. L'un des plus dangereux chefs de guerre du pays. Il dirige une milice armée jusqu'aux dents, qu'il utilise pour contrôler plusieurs quartiers importants de la ville. Ce qui veut dire que notre aide humanitaire est bloquée. Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Il change de lieu deux fois par jour. Son dernier point de chute était le Zenaki, un hôtel qui est juste ici. Il y a peu de chances qu'il y soit encore, mais c'est un endroit comme un autre pour commencer. Tu seras seul sur cette mission. Pas de contact direct avec l'ennemi, pas de renfort. Tu identifies et tu élimines ta cible, puis tu actives ta balise GPS pour qu'on puisse t'extraire. On doit te récupérer avant l'aube, alors ne perds pas de temps. Le dernier soldat américain capturé ici a été traîné dans la ville par une jeep. On a trouvé sa tête et une de ses jambes dans un bateau de pêche. Mieux vaut éviter ça. Je serais revenue avant même qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Fais bien attention, Judy. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. Allez ! On va l'embrasser, les gars, hein, pour faire suite au dîner qui s'est mal passé. Il me reste un peu de temps avant de partir, non ? Bon, on va dire que c'est un amour de vacances. On est parti ! Notre première mission, je suppose. En tout cas, la première mission qu'on va jouer, on n'avait fait aucune mission depuis qu'on était rentré dans la CIA. Bonne chance, Jody ! Allez, on va devoir nager, éviter des requins. C'est vrai qu'un hélico sur l'hypode, c'est pas cramé du tout, hein, bien évidemment. Personne ne se pose de questions. Oh, quoique la ville est déjà bien bombardée. Vas-y, on est parti. Hein. Je suppose qu'il va y avoir une esquive de requins, il va y avoir tout le bordel. C'est à moins de nager là, parce qu'on est mort. Hein. Oui, non, mais les gars, ok. Des squelettes. Pas de contact direct avec l'ennemi, pas de renfort. Vérifie qu'il n'y ait pas de soldats, Hayden. À quel moment un homme devient squelette aussi rapidement que ça ? Je vous pose la question. Ok, il y en a un là. Donc, je vois qu'un soldat pour l'instant. Ok, je vais beaucoup trop loin. Ah, j'ai beaucoup trop loin. Ah, c'est mon défaut, je vais toujours trop loin, c'est terrible. Ok. On est pas mal, là. On est pas mal. On va regarder comme ça. Il y a toujours le même mec là-haut. On va essayer de se débarrasser de lui. On va essayer de se débarrasser de lui sans aucun putain de souci. Ok. Hop, un petit coup dans la trachée, les gars. Il respire plus. Il sait plus où il habite. Et c'est bon. Normalement, il n'y a plus personne.
Je confirme, on confirme ou pas les gars? On confirme hein. On confirme, je suis pas Miro. Ok, normalement il n'y a plus personne. Donc là, notre contact est dans ce bâtiment. Allez, Jody, fais un petit effort s'il te plaît hein. Je sais que c'est compliqué. Attendez, remarquez, est-ce que... Attendez, hop. Là on a quelque chose, très bien, on s'en fout. C'est le cadavre, est-ce que je peux... Ah non, je peux pas examiner le cadavre pour avoir un flashback. Un petit peu terrible. Là, il n'y a rien à faire, on se casse. On a l'impression de jouer à Metal Gear, quoi. Mais vous savez, Metal Gear Solid 4. Allez, c'est parti. Ok. Ok, on va s'occuper de lui. Je peux m'en occuper comme ça, là ? Oh, mais c'est incroyable ! Ok, ça c'est fait. On va à l'abri. Ah, je suis content. Cet entraînement ne fut pas inutile. Non. Non. Mais c'est tellement injuste. J'ai bombardé triangle. Ok. Putain, on peut pas bouger la cam. Je peux pas savoir ce qui se passe en avance. C'est terrible. De toute façon, c'est par là, je suppose. C'est par là. Voilà. Son dernier point de chute était le Zenaki, un hôtel qui est juste ici. Vois si tu trouves un truc. Quoi? Comme c'est loin. Attendez. Génial. Allez, on y va. Putain, comment c'est loin. Là, on a quelque chose. Hein. Là, on a quelque chose qu'on va prendre de suite. Très très loin, cette histoire. Très 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 loin. Ok. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu parce qu'ils sont totalement aveugles. On va tracer. Il y a un gars par ici. Ok. On va ramper. J'ai appris ça. J'ai appris ça, les gars. Ok, on est bon. Une petite frayeur, mais rien de grave. Lui, on va l'assommer immédiatement. On voit toujours l'hôtel. Ah, il y a un gars qui est pendu, c'est pas très gentil. Petit coup dans la trachée, toujours, toujours efficace, hein, évidemment. Ok. Ah. D'accord, est-ce qu'on peut passer par la petite charrette? Non. Ah, oh, je voulais écouter, moi ça me faisait plaisir. Ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bien vu l'action là. Il est là, hein. Il est là le... Julie Zenati là. Ok. Attendez. Ok. Lui, on peut le déposséder. Enfin, le posséder. Débarrasse-toi d'eux. Allez, boum. C'était un méchant. Aucun putain de regret. On est parti. Là, les gars, c'est terrible. C'est terrible, mais ils avaient un otage. Je voulais pas qu'ils fassent mal. On peut pas passer par l'entrée, hein, forcément, évidemment. Par contre, est-ce qu'on peut passer par ici? Fiche vraiment aucune idée, je ne pense pas. Beaucoup trop haut. Ok. Je vais peut-être avoir un... Pas un trophée, mais un bon point parce que j'ai quand même sauvé un otage, non? J'ai sauvé un civil. Des mains des rebelles! L'hôtel Zenaki. Ok. Nous sommes arrivés, les gars. Ok, ils sont partis plus vite que... Je sens qu'il va m'arriver quelque chose d'obscur. Mais il faut pas passer par là ou là, c'est bon, on a fait le tour. Hein. Là, on a fait le tour, on a ce qu'il faut là. Hop, on rentre direct dans l'hôtel. On va pas chercher midi 14h, non? Direction les. Oh, lui, je peux le. Lui, je peux le tuer. On va se faire un malin plaisir de le tuer immédiatement.
Fallait peut-être que je tue personne pour faire cette mission, mais les gars, ça va, c'est des rebelles, de toute façon. Ils ont ce qu'ils méritent. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis. Des traces. Du sang. Des traces de sang. Ok. On va voir ce qui s'est passé. Une cathédrale en ruine. Ils sont près d'une cathédrale en ruine. Quoi ? Il y en a une pas loin d'ici. Je devrais trouver facilement. Ok, on ressort les mecs, on ressort, je devrais trouver facilement. Oh là là, ils vont nous faire traîner dans toute la ville là ou quoi ? C'est terrible. C'est terrible. Ok, bah on se casse. Je peux pas partir par là, est-ce que je peux partir par là ? Je peux prendre un raccourci ? Non. Et peut-être par ici, non ? Non plus. Ok, ok, on va passer. Mais pourquoi je marche ? Pourquoi je marche alors qu'il y a deux secondes je courais ? Mais ! Quelle est cette... Je me retrouve directement dehors, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ok, lui, on va le tacle. Oh bah, je l'ai vraiment taclé en plus. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Ah putain, merde, ils sont 5-4. Est-ce que je peux pas posséder le... Oh non, passer par là-haut, bien sûr. Mais c'est logique. On va passer par là. Moi, je voulais prendre la grosse mitrailleuse, là, bombarder tout ça. Et on n'en parlait plus, putain. Ou alors je saute... Oh la vache. Ou alors je saute tel un Power Rangers. Et j'arrache tout le monde. Pas de souci. Un petit coup dans les côtes pour l'empêcher de crier. Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'était pour le style. Mon style de combat. Attendez, je peux toujours pas posséder, putain. On pouvait posséder du monde et là on peut plus, c'est terrible. Oh ! Oh non ! Ils ont tué des civils. Attendez, c'est par où la sortie là ? C'est par ici. Mais qu'est-ce qui se passe en bas ? Oh mon dieu ! Allez hop! Ah bah là on va vite hein. Là on va vite, ça va très très vite, personne n'est prêt dans cette ville. C'est incroyable. Ces coups de ristourne. Ok, il y en a un là. C'est par là maintenant. Ok. Ok. Comment je peux faire pour lui? Bon, on va faire comme ça, on va faire cette méthode américano-latine. Ok, ça va vite, hein. On s'est toujours pas fait cramer, ça fait plaisir. Bon, j'ai tué des gens, je n'aurais peut-être pas dû, mais enfin quand même, hein. Ils ont pas l'air très gentils, on est bien d'accord là-dessus. Ok, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un pas loin. Je les entends. D'accord, ok. Il y a un mec qui lui demande si ça va. Ah, on peut ne pas les tuer. Hein. On peut ne pas les tuer. Il lui demande si ça va. Réveille-toi, frérot. C'est rien. Bon, j'aurais dû aller jusqu'au bout. De toute façon, j'ai déjà tué quelqu'un. Ok, on se casse. On se casse. Jody, s'il te plaît, c'est par ici. Tuer. On va le posséder. Allez, ça dégage. Et on se tire une balle. On n'en parle plus. Emballer, c'est peser. Ok, je crois que j'ai sauvé un civil. Je crois que j'ai sauvé. Non, je ne l'ai pas sauvé. Ah non, il est littéralement mort. Je crois que j'ai sauvé un mec.
Il était parti en courant quand même. C'est par ici. On va peut-être aller là. Ah oui, c'est bien par ici. Je confirme. C'est la première fois qu'on est dans un environnement aussi grand. On va rester. On va aller là-haut. La cathédrale. D'où est-ce que je la voyais dans ma vision ? Ils sont venus ici. Ok, certes, ils sont venus ici, je veux bien le croire, mais enfin, ils ne sont plus là. Il y a quoi là par terre ? Des prospectus. Ok. On va voir ce qu'il en dit. D'accord, j'ai tout compris. Ok, on va voir là. On va voir ce qu'il en dit ici. Je sais où ils sont. Non, mais c'est pas vrai! Les gars, on va pas traverser un continent! Une table. Elle a peut-être des choses à me dire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain? Ok, on va voir ce que la table a à me dire, hein. Peut-être que... D'accord, il y avait quelque chose encore, c'était par ici. C'était lui. On va voir aussi ce qu'il a à me dire. Ce qu'il avait à me dire. On les a attaqués. Quelqu'un a presque fait mon travail. D'accord, ok. Bon, je pense que ce petit champ de bataille a été totalement rincé. On va pouvoir ressortir, c'était par où ? C'était là-haut, là. Oh, c'est loin, c'est loin. Eh ben, on y va. Il y a du monde sur la droite, encore une petite face. On s'est toujours pas fait cramer, ça fait plaisir. Est-ce que je peux passer par ici pour le style ? Non. Ah ! Non, on ne peut pas, ça c'est pour se plaquer. Ok. On va passer en dessous. D'accord, il y a du monde. Il y a du monde. Ils sont quand même au nombre incroyable de 4 avec une AK-47 dans le sol. Hein, c'est nouveau, ok. D'accord, je remets au même endroit. Ça avait pas enclenché la cinématique. Qu'est-ce que c'est ? Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ok, j'arrive pas à voir c'est quoi là-haut. De toute évidence, on doit aller tout là-haut. Bon, on va y aller, hein. Y a pas de souci, les gars, on n'a pas le choix de toute façon. On va voir, on va se faire un petit Assassin's Creed, ça va faire plaisir. Ok. On va essayer de passer par ici. Non, pas du tout. Mais on peut pas monter, de toute façon, il n'y a pas d'étage, regardez. Nous sommes entièrement à découvert. Que se passe-t-il, Johnson ? En tout cas, ça va vite. Ça va vite en passant par ici. J'entends des bruits chelous. Des bruits suspects. L'attaque est arrivée ! L'attaque est arrivée ! Où est la catalte ? Doucement. Tu as l'air blessé. Je veux juste t'aider. Je vais avancer vers toi. Ne tire pas, ok ? On va l'aider, le pauvre gamin ! Il a perdu beaucoup de sang. Il va mourir si je l'aide pas. On va l'aider, les gars. Maintenant, c'est un enfant, c'est plus fort que moi.
celui-là. Blessure. J'ai bouché tes points de chakra. Tu vas beaucoup mieux comme ça. Je suis vraiment désolée. Je comprends pas un mot de ce que tu dis. Salim. Salim. Ah, tu t'appelles Salim. Salim. Jody. C'est... Jody. Jody? Oui. Oui, Jody. 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 On dirait qu'on a de nouveaux amis. Ah ! Non mais petit, fais pas la guerre avec moi, c'est pas bien, je viens de te sauver la vie, c'est pas pour que tu passes de bêtises. Bon attendez, nous on va s'en occuper très rapidement. Voilà, hein, c'est chiant. Tu me respectes, je te respecte, hein, sinon. Voilà, ça c'est chiant. Et de deux. Lui. Bon, on va le tuer, hein, allègrement, sans aucun problème. Tu as choisi d'essayer de me tuer, je dois me venger. C'est tout à mon honneur. Ok, lui c'est fait, et il en reste un, je crois. Qui est ici. Non, lui c'est... bah non, c'est l'enfant. Yes. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Alors toi, mon frérot... D'accord. Ah putain, chier. Ok. Faut que je m'approche. On va aller ici. Je suis assez proche, hein. Je pense que je suis assez proche. Faut pas abuser. Ok. On va le posséder, on va tuer le mec derrière. Aucun putain de souci. Attention, ça va aller vite. Ah! Ah, Jody, elle a clairement réglé, hein. Il faut qu'on parte avant que d'autres n'arrivent. Mais vous imaginez, le gamin, c'est le fils de la personne qu'on doit tuer, ça doit être horrible. C'est bon, le gamin va me sauver la vie, vous en faites pas. Quoi? Hop! Merde, je m'étais baissé! Merde! Putain, mais... On sait pas qu'on faut contrer, c'est terrible! On a trop peu de temps! Allez, on bombarde! Hop, on lui casse la jambe! Oh, c'est stressant! Oh, je pense que je mérite, hein! Quoi? Oh la vache! C'est bon. C'est bon. Je vais bien. On fait une sacrée équipe, pas vrai, Salim? Le soleil se lève. Ça va être difficile de passer inaperçu maintenant. La tour. La tour est par là-bas. C'est là que je dois aller. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ok, donc faut le suivre. On est parti. Il doit avoir une petite idée. Bon, j'ai eu chaud, les gars. J'ai eu chaud, mais les esquives, c'est assez compliqué. Hein. Allez, facile, faut partir. Vous tirez sur quoi comme ça? Sur un tank? Vous êtes sérieux? Ok. On y va? Ok, on y va. Allez, oh là là, les directions, c'est terrible. Ah, il est pas fait pour les jeux d'action, hein. Quantic Dream, les gars, faut faire un effort. Là, dans votre jeu D3, vous avez intérêt à faire un petit effort parce que c'est chiant. Les caméras, les moves de personnages, vos jeux sont extraordinaires. Donc, faites un effort. Pour qu'ils soient encore mieux, évidemment. Ok.
Non mais c'est pas vrai, regardez, regardez. Putain, j'allais le mettre. Attendez, je vais faire quelque chose. Je peux pas l'aider. Non, elle est morte. Elle est définitivement morte. Ok, là je suis un gamin, mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà? Ah non, c'est lui qui l'a tué, d'accord. Mais il rigole zéro, lui. Salim, Salim, je te suis. Hein. Salim, faut pas rester ici, c'est gênant. Salim, on est en plein milieu de la rue. Un petit effort. Pas le choix. On va devoir passer tout droit. Quoi? Reste près de moi, d'accord? Viens vite, aide-moi. Ok, on va concentrer notre chakra. Et grâce à Aiden, on esquive l'intégralité des balles. Ok, vas-y. Grimpe. Quel pauvre gosse. Tu fais quand même la guerre avec un gosse, quoi, c'est terrible. Laissez-le partir. Ça s'entrefile un petit peu dans toutes les ruelles. Oh, ça va être terrible. Ça va être terrible, j'ai encore l'impression qu'elle est loin la tour. Oh là là, il y a tout le monde qui se tue là-dedans, c'est le bordel. On sait même plus qui sont les gentils, qui sont les méchants. Est-ce qu'au moins il y a un gentil et un méchant d'ailleurs? Ok, on descend. Pourquoi faut passer par là? Ah, intelligent, tu veux passer par l'entrée des bâtiments. Je comprends. Je comprends, Salim, je te suis. Bien joué à toi. Ok, par où on va passer maintenant? Salim, tu es sûr de ton coup? Oh, on n'est pas loin. On est clairement pas loin. On est clairement pas loin. Il va y avoir une petite possession qui va se faire très rapidement. On parlait de quoi déjà, mon frérot? Attention, une mouche! C'est bon, pas de soucis, je l'ai eu, les gars. Attention, une autre mouche! C'est bon, il y a des petites mouches qui traînent. Faut les avoir, c'est des mouches meurtrières, d'accord? Ok, on va prendre ça. Bougez pas. Ah, on fait tout intelligemment. On va prendre le véhicule, puis on va foncer sur les autres, quoi. On va pas tergiverser, les gars. Hein. On va pas tergiverser. Allez, hop, faut partir, monsieur. On bombarde. Ah, yes, on va à l'arrière. On n'oublie pas le frérot. Doucement, Aiden. On va essayer de passer sans se faire repérer. Ok. Alors pourquoi on regarde par ici? C'est ridicule. Autant rester allongé, tout simplement. Oh, il y a une voiture qui vient d'apparaître. C'est incroyable. Là, je vois qu'on va passer un barrage. C'est impossible de passer ça. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Toute la ville va être à notre trou. Ah merde! Bah oui, mais on m'a offert que ce choix. J'avais juste à attendre. Baisse-toi et bouge pas. Oh là là, ça va être terrible. Hop, ça dégage. Oh merde! C'est bon. C'est bon. Là, on va le pousser normalement.
Voilà. Voilà. Pour l'instant, je réussis. Oh merde, je réussis tout sauf ça. C'est un peu terrible. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a pas mis de coup. Mon capital coup est encore présent. Et hop, ça, ça dégage. Un en moins. Ça, il me faut pas le coup. Voilà. Ok, aucun souci. On va s'occuper du rapide. Et on le dégage aussi. Un en moins. Voilà, bon, une voiture en moins. Ah bah là, les gars, Aiden, il a pété les plombs, il a quitté l'école. Hein. Ok, on va sauter de là-bas, hein, parce que bon, on aime l'aventure. Ok, on va le prendre. On va le soulever, c'est pas un souci. Voilà. Hop, ça dégage. Ça dégage. Salim est impressionné, c'est normal. Deux pour le prix d'un. Regardez ce qu'on a à faire. On a totalement loupé et il est mort. Et c'est la fin pour lui. C'est la fin du rêve américain. Aïe, je peux pas prendre Aiden parce que justement il est en possession. Oh putain. Et moi? Tu peux rentrer chez toi, Salim. C'est là que nos chemins doivent se séparer. Il faut que je m'en aille. Est-ce que tu comprends, Salim? Lana trukuki. Yumkinuni alpaka wila janibuki. Hastati ou musahadatuki. Désolé, mais tu peux pas venir avec moi. Tu es très courageux, Salim. Et un jour, tout ça sera terminé. Et tu pourras retrouver une vie d'enfant. Bon. Jamal est quelque part dans le coin. J'ai pas beaucoup de temps. Salim est enfin rentré chez lui. Bah c'était trop risqué, attendez. La place d'un enfant, ce n'est pas ici, voyons. Donc on va voir par là. Voilà. On va essayer de se la jouer. Hop, lui on s'en occupe. C'est bon, c'est de l'histoire ancienne. La tour est toujours à côté. Jamal est là. Je dois trouver un endroit près de la maison pour me mettre à couvert. On va se mettre par ici, hein? Étant donné que tu me l'as montré. Tu sais ce que t'as à faire. Trouve Jamal, Aiden. Ok. On va trouver le Jamal. C'est Jamal. Je vais pas pouvoir me rapprocher. Tu vas devoir le faire, Aiden. Ah. Oh, j'ai pas trop. Ça, c'est un bonus, tout simplement. Qui est à l'étage. Ah, impeccable. Non, Aiden. Il faut qu'on reste discret. Comment je peux faire? Merde! Là-dedans. Là. Non, les gars, dehors, j'en sais rien. Ok, d'accord. J'ai compris. J'ai compris, on va posséder un rebelle. Bien. Allez, trouve une arme. Ok, trouve une arme. D'accord. Sûrement dans la voiture. Voilà. Juste ici. Non, bah ça va les gars, j'ai que deux mains. Hein. Ok. On a notre arme. Il faut que je le fasse. Les ordres sont les ordres. On va le faire. Ce type a du sang sur les mains, il mérite de mourir. Allez, je peux le faire. Eh mon
courage. Je peux le faire. Donc je dois le faire. Je peux le tuer. Mais non, il a un gilet pare-balles. Il vise bien la tête. Oh bah je m'arrête plus. Viens vite m'ouvrir la porte. Je dois vérifier que Jamal est bien mort. Vite. Ok. Ok, ok, ok. Je vais lui ouvrir quelle porte là, je ne comprends pas. Ah, celle-là. Oh, ça sent le crate. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Il avait un gilet. Ah oui, bah oui, c'est horrible. On n'a pas le temps de chialer là, Aiden. Même si tu t'appelles Jody. Non, il est vivant. Hein. C'était son père ? Salim ? Abby ! Abby ! J'en étais sûr. C'est ton père. J'en étais sûr. Ok, on se protège. Après, si son père était un enculé, On connaît rien de cette histoire, on a suivi les ordres, malheureusement. Je peux rien faire, je peux rien faire. Vaut mieux partir dans ces conditions, ni vu ni connu. Ce n'est pas moi. Merde. Merde, il faut qu'on se tire. Ok, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Oh putain, je vais prendre ce que je mérite. Je vais prendre ce que je mérite. C'est terrible, j'ai déjà pris 2 balles. Ok, on va passer par ici. On va activer la balise GPS. Eagle 5, demande extraction immédiate. Vous me recevez? Confirmez l'extraction. Et merde! 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 Ok, on va soigner, s'il vous plaît. Allez, allez, allez! Oh là là, mais c'est terrible! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est bon, allez, on y va. Là, c'est chiant. Allez, on bombarde. Un petit effort, Jody. Normalement, t'as quasi plus de blessures. Ah, ça doit faire mal. S'appuyer sur une blessure comme ça, ça doit être un peu terrible. Je pense que je mérite.
d'ici. Dans la CIA, j'ai jamais vu un truc pareil. Le patron a envoyé son propre hélicoptère pour ramener un agent. Toutes les grandes huiles sont dingues de toi, Jody. De toi et d'Aiden, bien sûr. Jody, tout va bien? Ah, écoute, je sais que c'était difficile, mais c'est fini. On rentre. Une autre mission accomplie, d'accord? J'oublierai jamais ce que j'ai vu là-bas, Ryan. Jamais. D'accord. On va continuer de regarder par la fenêtre. Parce que j'aime les fenêtres. On va prendre un Doliprane qui est dans une boîte énorme. Comment va ta jambe ? Mieux quand l'antidouleur fait effet. On va encore en prendre un. Ah non, c'est du champagne, d'accord. On n'a jamais mélangé les médicaments et l'alcool, hein, bien évidemment. Et la communauté internationale vient de nous annoncer la reconnaissance officielle de l'élection du nouveau président Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, l'un des plus dangereux chefs de guerre du pays. Toutefois, certaines sources indiquent que Sharif et l'ensemble de son gouvernement ont été assassinés au cours de ce qui semble être une attaque non revendiquée. Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Beaucoup espéraient que le président nouvellement élu, Jamal Sharif, serait capable de mettre un terme aux hostilités qui ravagent son pays depuis tant d'années. Plusieurs chefs d'État ont déjà exprimé leur indignation devant ce qui leur paraît être rien de moins qu'une abominable exécution préméditée. Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Tu m'as menti. De quoi est-ce que tu parles ? Jamal n'était pas chef de guerre. Il était président. C'était le président élu démocratiquement. Ouais, et alors ? On n'est pas des politiciens, on avait des ordres. Tu savais que je l'aurais jamais tué. Alors tu m'as menti. Bienvenue à la CIA, Judy. On n'est pas des enfants de cœur, au cas où t'aurais pas remarqué. On avait un job à faire et on l'a fait, c'est tout. C'est peut-être juste un putain de job pour toi, ok? Mais je m'amuse pas à liquider les gens parce qu'un connard de Général 4 étoiles me dit de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je dis, écoute-moi, calme-toi, ok? On en parlera quand on sera rentré, d'accord? Tu m'as manipulé. Tu t'es servi de moi pour faire ton sale boulot. Et quelle différence ça fait, Jody? Cet homme était condamné avec ou sans ton aide? J'ai du sang sur les mains! Un gamin a perdu son père à cause de moi! Parce que je te faisais confiance! Parce que je croyais qu'on faisait ce qui était juste! Je suis quoi pour toi, Ryan? Un jouet? Un putain de pantin à qui tu peux faire faire tout ce que tu veux? On traverse une zone de turbulence! Merde! Je perds le contrôle! Est-ce que tu m'as aussi menti cette nuit-là dans mon appartement? Je dis arrête, putain, tu vas tous nous tuer! Plus personne ne mentira jamais, Ryan! D'accord, elle saute d'un hélico. Bon, c'était des enculés, je le savais. C'était quasi sûr. Ah bah les gars, j'étais persuadé de ça. Mais bon, Jody elle-même essayait de me convaincre qu'il fallait le tuer. Donc on l'a fait les gars, on a fait le sale boulot. Mais c'était pas juste. Sur le coup c'était pas juste. Mais je vous l'avais prédit au début de l'épisode.
Ils se sont servis de moi pour tuer tous ces gens. Jody, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais pas. Je faisais qu'obéir aux ordres. Où est-ce que tu es? Est-ce que Clayton est là? Non, je me suis enfuie. Non, tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Ils vont te traquer et te retrouver. Tu dois te rendre, Jody. On discutera. Je suis sûre. C'est fini, Nathan. Je veux plus être leur jouet. Tu leur diras bien que s'ils essaient de me retrouver, je les tuerai. Jody, écoute. Dis-leur, Nathan. Je les tuerai. Ce qui entraînera la scène où un shérif nous retrouve dans la forêt et des flics viennent nous chercher et puis on les tue. Par contre, je pense très honnêtement, capture évitée, Ryan embrassé, voie non découverte, je pense très honnêtement que pour les bienfaits, entre guillemets, de l'histoire, le déroulement du jeu, on n'avait pas le choix que de le tuer. Quoi qu'il arrive, quoi que je faisais, on devait le tuer. C'était comme ça, sinon forcément, on n'aurait jamais quitté la CIA. Donc Ryan embrassé comme 74% des gens, capture évitée comme 88% des gens, arme récupérée, soldat comme 78% des gens, sauvé par le, sur le toit pardon, comme 73% des gens, et cathédrale rejointe discrètement comme 44%, et comme 80% repéré au point de contrôle. D'accord, bon, bah c'est terminé les gars pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures incroyables et on se retrouvera avec de vieux amis, la suite de Navajo, à très bientôt tout le monde.